Bonjour, aujourd'hui on va parler des aires et des unités de surface et comment les convertir, comment passer d'une unité de surface à une autre. Alors c'est parti. On va prendre ce petit exemple là, sur le carré que j'ai dessiné ici. On a défini sur la figure une unité de longueur, hein, qui est un côté de petit carré, un côté de petit carré gris comme ça là. Unité de longueur, et on peut définir également une unité d'air. Okay? Une unité d'air, une aire, c'est une surface, c'est une superficie. Si par exemple, vous voulez, imaginons que ça soit un champ, et que vous voulez mettre une clôture autour du champ, ce qui va vous intéresser, c'est la longueur de la clôture, donc cette longueur, plus cette longueur, plus cette longueur, plus cette longueur, c'est ce qu'on appelle le périmètre. Okay? Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Maintenant, si ça c'est le mur de votre chambre et que vous voulez le repeindre, ce qui va vous intéresser, c'est la surface à peindre pour savoir la quantité de peinture dont vous aurez besoin. Parce que sur le pot, ça va vous dire ce pot-là, il peut faire 6 mètres carrés de peinture, par exemple, ou 12 mètres carrés. Donc, la surface, ça correspond à cette partie grisée. Le périmètre, c'est la longueur des traits noirs autour de cette figure. Okay. Première distinction claire. Ensuite, quel est le rapport entre cette unité de longueur, entre cette longueur noire en noir et cette aire hachurée en gris? Ça dépend, ça dépend. Pour un carré, vous allez me dire, ah ben pour un carré, ça va être le côté fois le côté. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on voit que ce côté, il fait 4 unités de longueur. Hein, on a 4 unités de longueur ici et on a 4 aussi ici. Donc bah, si on fait 4 fois 4, on va obtenir la surface. Et effectivement, si on regarde bien, j'ai un carré, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et si vous vous souvenez de votre table de multiplication, 4 fois 4 égale 16. Donc la formule côté fois côté nous donne bien la surface, okay, l'aire de ce carré en unité d'aire. Okay? Pour un rectangle, ça serait quoi? Ben pour un rectangle, vous avez vu que ça serait. En fait, le carré, c'est un rectangle particulier, mais on aurait le. Alors, je peux le dessiner rapidement. On va faire un petit rectangle comme ça, par exemple. Ça serait la largeur fois la longueur. Donc, la largeur ici fois la longueur. Là, sur ce petit carré, on a deux de largeur. On a un de largeur, pardon, et deux de longueur. 2 fois 1, ça fait 2. Et effectivement, on a un carré, deux carrés. On a deux petites unités d'air. Ça correspond bien donc à largeur fois longueur. Alors pour un cercle aussi, on aurait un rapport entre le diamètre, entre le rayon d'un cercle, hein, si on prend un cercle, entre le rayon de ce cercle ici, là, R, et la surface du cercle. Okay? Cette formule, elle ressemble assez à la formule du périmètre qu'on a vu la dernière fois, qui était 2 fois pi fois r. Mais attention, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est alors, on dit pi r2 quand on a l'habitude, ce qui ressemble beaucoup à 2 pi r, mais c'est pi fois r fois r. Et on dit pi r2 parce que c'est un r au sens de r au carré. Donc faites attention, là on utilise une puissance. Pi fois r au carré, c'est pi fois r fois r. Okay? Vous n'êtes pas encore très familier des puissances. Ça viendra. Donc pour l'instant, pi fois rayon, c'est ce qui va vous donner la surface d'un cercle quand vous connaissez son rayon. Okay? Donc ça, c'est. Donc le carré, c'est un rectangle particulier, hein, parce qu'il y a la longueur vaut le côté, la largeur vaut également la même valeur pour un carré. Mais donc en gros, avec ces deux formules, déjà, on peut faire pas mal de choses. Et on va voir le triangle, c'est un petit peu particulier. Alors revenons un petit peu sur les longueurs. On a vu quand on a parlé du périmètre. Vous avez appris, notamment ce tableau, l'unité de base, c'est le mètre. 10 fois plus grand que le mètre, c'est le décamètre. 10 fois plus grand, l'hectomètre. 10 fois plus grand encore, le kilomètre. Et on peut aller de plus en plus petit aussi, à chaque fois avec un rapport de 10. 10 fois plus petit que le mètre, c'est le décimètre, le centimètre, le millimètre. Ok, le millimètre, on va pas rester devant, voilà. On a vu aussi les microns et les nanomètres la dernière fois, micromètres et nanomètres, cette fois-ci 1000 fois plus petit et 1 million de fois plus petit encore que le millimètre. Ça, c'est pour les unités de longueur. Quand on va parler surface, à quoi vont ressembler les unités? Une surface, ça ne s'exprime pas en centimètres, ça ne s'exprime pas en mètres. Pas tout à fait, on va voir. Alors,
Prenons un exemple, on revient sur un exemple, on prend notre petit carré de 1 mètre par exemple. Donc on a un petit carré de 1 mètre ici et on se dit, ok, on va faire un carré 10 fois plus grand. Alors 10 fois plus grand, c'est pas forcément très clair, 10 fois plus grand. De quoi on parle? De la longueur de côté, de la surface. Est-ce que la surface est 10 fois plus grand? Est-ce que le côté est 10 fois plus grand? Est-ce que c'est la même chose? Et on va voir que ce n'est pas du tout la même chose. On va prendre un carré dont le côté est 10 fois plus grand. Donc ici, on avait 1 mètre de, 1 mètre de côté. On va faire un carré qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 mètres de longueur. Donc tout ça, ça fait 1 décamètre. Okay? On a 10 mètres, 10 mètres, 1 décamètre, c'est la même chose. Okay? Ça, c'est la longueur du grand côté ici. Et c'est la même longueur ici, même longueur ici, même longueur ici. Donc on a un carré dont le côté est 10 fois plus grand. Ok. Qu'en sera-t-il de la surface? Est-ce que cette surface va être 10 fois plus grande? Ben, on va calculer cette surface. Alors, on voit bien que. Enfin, on va calculer, on va regarder sur le dessin. On voit bien que si ça, c'était 1 mètre carré, hein, un carré de 1 mètre, la définition d'un mètre carré, c'est un carré de 1 mètre. Chaque grande bande, comme celle que j'ai dessinée ici, fait 10 carrés de 1 mètre. De côté, donc 10 mètres carrés. Okay? Et des grandes bandes comme ça, on en a combien? Bon, on en aura une ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Donc on aura 10 fois une bande de 10 mètres carrés. Okay? Et 10 fois 10 mètres carrés, on va arriver sur 100 mètres carrés. Okay? Donc on voit qu'en passant de d'un carré qui était de 1 mètre à 10 fois plus grand, c'est-à-dire 1 décamètre de côté, on va non plus obtenir 1 mètre carré, mais 100 mètres carrés. Okay? Notre décamètre carré va être égal à 100 mètres carrés. Donc attention, okay? Autant dans notre tableau ici, on avait le décamètre et le mètre qui étaient voisins. Donc quand on mettait nos chiffres, par exemple 33,2 mètres, ça faisait 3,32, hein, si je pense ma virgule. Elle était ici. Si je raisonne en mètres, ma virgule, je la pense ici. OK? 33,2 mètres. Et si je pense ma virgule pour les décamètres, elle va être ici. Donc là, on passerait de 33 à 3,32 décamètres. Et bien là, ce n'est pas la même chose. Donc, à partir du moment où vous êtes sur des mètres carrés, des décamètres carrés, ce tableau ne va plus marcher. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Notre tableau, maintenant, on a vu qu'à chaque colonne, c'était fois 100. Donc, si on met un 0 par colonne, on va multiplier par 10 à chaque fois, ça ne va pas coller. Il va falloir doubler les colonnes. Alors, on va faire un petit copier-coller de nos colonnes. Hop, et je vais les placer juste à côté, comme ça. Voilà. Et à chaque fois, l'unité sera. Voilà, l'unité tombe dans une des colonnes. Et il y a une colonne vide finalement entre les deux. Ce qui nous permet de passer. On disait tout à l'heure que 1 décamètre, c'était. Un décamètre carré, c'était 100 mètres carrés. Et bien regardez, là, si jamais je veux écrire mon décamètre carré, un décamètre carré, il est ici. Si je veux maintenant exprimer ça en mètres carrés, je suis obligé de compléter avec des zéros et j'obtiens bien 100 mètres. On a bien nos 100 mètres carrés qui sont équivalents à un décamètre carré. OK? Donc, si vous raisonnez en surface, il faut impérativement que votre tableau, il y a une colonne vide finalement entre chaque unité au carré. Mètre carré, décamètre carré, hectomètre carré, kilomètre carré, etc. Okay? C'est les mêmes préfixes, mais à partir du moment où vous avez le petit 2, il faut avoir deux colonnes à chaque fois par unité. Et sur les volumes, comme on a pu voir en physique, quand on a travaillé sur les. Enfin, en physique, comme j'ai pu voir en physique avec certains d'entre vous, sur les volumes, et on le verra. Et quand on va travailler sur les volumes, quand on va travailler sur les volumes, on verra que pour les mètres cubes, centimètres cubes, millimètres cubes, etc., c'est la même chose. On va avoir cette fois-ci trois colonnes. Voilà. Donc ça, c'est ce à quoi va ressembler le tableau de conversion pour nos R. R, surface, superficie. Tout ça, c'est des synonymes. OK? Donc le mètre carré, c'est la superficie d'un carré dont le côté fait 1 mètre. Voilà. Et ici, on travaille sur toutes les unités de longueur.
au-delà du mètre carré. Alors toutes les unités, là on est sur le système métrique. Je ne vais pas vous parler pour l'instant des square foot, inch, etc. Okay? Mais on y viendra sûrement sur les exercices. Petit exemple de conversion. Pour utiliser le tableau, ça va être la même méthode que je vous ai apprise pour les longueurs. Pour utiliser le tableau, vous allez, par exemple, si on doit exprimer 23,427 décamètres carrés en décimètres carrés, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai dit, la règle d'or, c'est de mettre le chiffre des unités. Le chiffre des unités, c'est-à-dire 3 sur ce nombre-là, le chiffre des unités dans la colonne correspondant à l'unité. Okay, on est sur des décamètres carrés. Le 3 doit être dans les décamètres carrés. Décamètres carrés, c'est là. Ok, je vais aller mettre un 3 dans mes décamètres carrés. Et je complète 23,427. 23,427. Je ne mets pas la virgule. Okay, je ne mets pas la virgule parce que cette virgule, elle dépend à chaque fois de ce qu'on va lire. Si on veut lire des décamètres carrés, on va penser notre virgule juste à droite de décamètres carrés. Okay, c'est nos 23,427 décamètres carrés de départ, il n'y a pas de souci. Si maintenant on s'intéresse à savoir combien font ces 23,427 décamètres carrés en décimètres carrés, les décimètres carrés, ils sont ici, il faut penser notre virgule là. Je vais carrément devoir rajouter un 0 du coup pour arriver jusqu'à mon unité. Et je lis 2, 3, 4, 2, 7, 0, c'est-à-dire 234 270 décimètres carrés. Hein, 234 270 décimètres carrés, mettez toujours vos unités. Si je voulais savoir combien ça fait en hectomètres carrés, bah, pareil, j'ai déjà écrit, j'ai déjà placé mon chiffre, j'ai plus qu'à lire pour retrouver nos hectomètres carrés. Alors les hectomètres carrés, ils sont ici, donc il va falloir penser notre virgule juste à droite de notre colonne de l'unité, c'est ici. Donc cette fois-ci, on serait plus sur un 0,23427, etc. OK? 0,23427 hectomètres au carré. OK? C'est comme ça qu'on peut faire nos conversions de surface à l'aide de ce tableau. Alors, et le triangle? On n'a pas parlé du triangle. Vous connaissez sans doute déjà la formule qui est affichée ici. L'aire est égale à la base fois la hauteur sur 2. Vous avez vu ça. On va revenir une seconde dessus. D'où est-ce qu'elle vient cette formule? En fait, cette formule, elle vient de quelque chose que vous connaissez déjà bien, qui est la surface d'un rectangle. Je vous explique pourquoi. Regardez bien. Je vais utiliser deux autres triangles. Un triangle comme ça. Et un triangle comme ça. C'est pas parfaitement précis sur mon dessin. Voilà, on voit un petit peu mieux. J'ai utilisé deux autres triangles. En fait, ces deux triangles, si j'ajoute ces deux triangles, on voit bien que l'ensemble de cette figure, donc là, je peux écrire ici que la surface de mon rectangle, c'est la base du triangle bleu fois la hauteur du triangle bleu. Okay? R, du coup, des trois triangles, ces deux triangles verts plus ce triangle bleu, est égal à base fois hauteur. Ok. Une première étape. On voit qu'on commence à se rapprocher un peu de notre formule. Deuxième étape. Regardez bien. Qu'est-ce qui se passe si je colle en fait ensemble ces deux triangles verts? Et que maintenant, je considère non pas que j'ai trois triangles, mais simplement, je vais dire, ok, non, c'est plus trois triangles, c'est R des deux triangles. Bah, l'aire des deux triangles, je n'ai pas changé mes surfaces. J'avais trois surfaces différentes, je les ai agencées différemment, mais je ne les ai pas superposées. Donc la surface de cet ensemble-là, elle n'a pas changé. Donc c'est toujours égal à base fois hauteur. Il n'y a pas de modification par rapport à ça. Deuxième chose. Troisième remarque. Regardez bien, je fais encore une petite manip et je vais déplacer le rectangle bleu, le triangle bleu. Si je prends ces triangles et que je les colle base contre base, okay, on s'aperçoit que ces bases sont exactement de la même longueur. Okay. Ces deux triangles ont la même base. Autre chose, si je les mets tous les deux, alors comme ils étaient là, mais en mettant leur hauteur l'une sur l'autre, on s'aperçoit que les hauteurs également sont de la même distance, okay, sont de la même longueur. Les deux hauteurs sont exactement pareilles. C'est-à-dire que finalement, ces deux triangles, le bleu et le vert, ont tous les deux la même hauteur et la même base. Donc, ils ont la même surface. Et donc,
La surface de un seul des deux, c'est la moitié de la surface de l'ensemble de ces deux triangles. Okay? Si je prends ça plus ça, on a vu que c'était égal à base fois hauteur. Si je prends un des deux, ça sera exactement la moitié de la surface, c'est-à-dire base fois hauteur sur 2. Donc la formule que vous connaissez pour un triangle, c'est base fois hauteur sur 2. Elle provient, on peut la retrouver en fait finalement en faisant ce rectangle-là, en fabriquant ce rectangle et en utilisant tout simplement la formule largeur fois longueur. Voilà, ça c'était pour revenir un petit peu sur cette formule base fois hauteur divisé par 2. On a remarqué en passant que on avait notre parallélogramme, les parallélogrammes qu'on a étudiés il n'y a pas longtemps, qui n'étaient pas loin, hein, quand je suis ici par exemple. Là j'ai un magnifique parallélogramme, et que ce parallélogramme, finalement, sa surface, c'est base fois hauteur également. Okay? Donc le parallélogramme sera constitué finalement de deux triangles. Si on prend une des diagonales du parallélogramme, ça c'est les deux diagonales. On prend l'une des deux, alors on peut prendre celle-là, ça nous donnerait deux triangles qui ont chacun base fois hauteur sur 2 comme surface. Donc la somme des surfaces pour obtenir la surface complète du parallélogramme, ça serait base fois hauteur, tout simplement, pas divisé par 2. Mais on aurait pu prendre l'autre diagonale ici, et dans ces cas-là, on voit qu'on avait un triangle ici, qui a la même base, qui a la même hauteur, okay, même si c'est moins évident parce que la hauteur, enfin, si je vous fais le dessin un petit peu mieux, la hauteur en général, on la dessine ici. Okay? Donc ça, c'est H, la hauteur. Et il est exactement de même surface que celui-là, qui a pareil, une base ici, base, une hauteur ici, hauteur. Donc on est encore sur la même surface de triangle. Donc là, on a eu d'un coup l'aire du triangle qui est base fois hauteur sur 2. L'aire du parallélogramme qui sera base fois hauteur, exactement comme un rectangle. C'est-à-dire que finalement, si vous aviez notre rectangle de départ ici, et que petit à petit vous penchez les deux côtés pour le. Donc vous gardez la même hauteur, mais que vous le déformez, sa surface ne change pas. Okay? Il va changer de forme, mais il ne change pas de surface. Bon, ça sera toujours la base fois la hauteur. Okay? Et dans le cas du rectangle, cette hauteur correspond au petit côté. Et la base au grand côté, enfin largeur hauteur, hein, que ça soit le grand ou le petit, ça dépend du format de votre triangle. Voilà pour le triangle et pour le parallélogramme du même coup. Alors, on va rentrer après avoir justifié la formule du triangle que vous connaissiez, mais maintenant vous voyez d'où elle vient. Elle vient de la formule du rectangle qui était plus simple. On va voir d'où vient cette formule du disque pi fois r, dont je vous ai parlé tout à l'heure, que vous avez peut-être déjà vu un peu l'an dernier. D'où vient cette formule du disque et comment est-ce qu'on peut démontrer, retrouver cette formule de la même façon un petit peu qu'on a retrouvé la formule du triangle. On va découper notre cercle, on va réagencer tout ça, vous allez voir. Alors voilà un disque, le but c'est de prouver que la surface de ce disque c'est ce fameux pi fois r, hein, pi r carré. Et pour ça, on va faire un petit jeu d'assemblage. On va découper cette pizza en beaucoup de parts. Bon, là, pour le dessin, on va déjà en faire 8. On va reprendre ces 8 parts et regardez, là, il y en a 4 qui ont été coloriées en jaune, 4 qui ont été coloriées en rose moins. Et on va les réagencer différemment. On va les réagencer de la façon suivante. OK? On va les réagencer en les mettant les 4 jaunes en haut, les 4 roses en bas, et en les emboîtant les unes dans les autres. Et on remarque qu'on obtient, alors, c'est pas tout à fait un parallélogramme, on est d'accord. On a bien des côtés qui sont bien droits, là, ça c'est parfait, et ils ont l'air bien parallèles. Et la distance de ça, c'est R, c'est le rayon de notre cercle, hein, puisque c'était départ, hein, si on reprend notre cercle de départ, c'était bien notre rayon R, ok, petit r en l'occurrence. Et combien fait cette longueur-là? Ben, cette longueur-là, alors, c'est pas très droit, mais si vous réfléchissez, si vous prenez les parties arrondies de toutes nos pizzas, de toutes nos parts de pizza, là, okay, la somme de toutes ces parties arrondies, c'est la somme de ça plus 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 ça, ça fait tout simplement le tour du cercle. Et le tour du cercle, c'est 2 pi r, on est d'accord.
Donc ces deux pierres, on va les retrouver comment? Ben, on va avoir ici la moitié, donc non pas deux pierres, mais pi fois r. Et ici, la deuxième moitié, encore pi fois, encore, pardon, pi fois r. Okay? Donc finalement, on a un parallélogramme dont la longueur, okay, ce côté-là fait la moitié du périmètre du cercle, donc pi fois r. Et ce côté ici fait r, tout simplement. Okay? Qu'est-ce qui se passe si nos parts deviennent de plus en plus petites? Okay? On va avoir, en fait, au lieu d'avoir un angle ici qui ne soit pas tout à fait droit, on va se rapprocher, on va avoir des parts qui vont être très très fines. Alors, je peux essayer de vous le dessiner. Et on voit bien qu'on va avoir, dans ce cas-là, notre parallélogramme ressemble de plus en plus à un rectangle. Okay? Les parts sont tellement fines qu'on a quasiment, des angles droits ici, là. Et à partir du moment où vous avez un angle droit sur un parallélogramme, vous êtes sur un rectangle. Et souvenez-vous, ce rectangle-là, il fait petit r ici, hein, c'est le rayon du cercle, et il fait ici, on a montré que c'était la moitié du périmètre du cercle, donc c'était pi fois r. Okay? Et si vous prenez pi fois r et que vous remultipliez encore par r, vous avez démontré, finalement, que la surface d'un cercle, c'est bien pi fois r fois r. Alors vous voyez qu'avec une simple formule comme la formule du rectangle, longueur fois largeur, on a pu, en raisonnant un petit peu, retrouver la formule du triangle, la formule du parallélogramme et même la formule de l'aire du cercle.